C'est bon comme ça, c'est joli. Pas grave, en tout cas, tout compte fait si elle vient et défait. Et ça tout à l'heure. Ça commence chez toi. Pourquoi tu es habillée bizarre comme ça? Il y a un gars qui m'a draguée là. Et c'est même pas si on doit appeler ça drague. Oui. Vas-y, raconte. On s'est rencontrés lorsque je partais en prendre un taxi. Il m'a proposé de me déposer. On a causé tranquille. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. Le problème est où? C'est normal, non? Arrivé à destination, on a juste changé de numéro. It's so beautiful. You and me. We meant to be. Histoire de garder contact, quoi, tu vois. Voilà. On causait par texto. Franchement, il ne m'a jamais parlé de sexe. T'as quel homme, ça? Ma soeur, elle pourrait être bien de côté, même. Deux semaines après, il m'a invité. Il dit qu'en tout cas, si j'ai rien à faire, je viens. Et comme je n'avais rien à faire là, j'ai répondu à son invitation. Ma soeur, après les garçons, elle va te tuer. Je t'ai promis. Attends, bien arrivé. Il sait qu'elle pourrait plus sortir encore. Mais ça devait être très, très sérieux. Yeah. Hey. Oui, mais mon téléphone, lui, il va l'appeler pour dire demain. Wow. Installe-toi. C'est bien, hein? Ben, c'est là que je me cache un peu, hein. Ah bon? Ah, c'est toute belle, toute magnifique, comme d'hab. C'est pas manqué, hein? Je suis partie chez lui, bon, chambre, cuisine. Belle vie. Il était pas tout bien propre. Mais quelque chose m'a paru bizarre, au fait. Voir un bel homme, tranquille. Donc, je me suis posé la question. Mais est-ce qu'il a quelqu'un dans sa vie? Ça, je lui ai demandé. Je lui ai demandé s'il avait quelqu'un dans sa vie. Donc, la question. Tu es marié ou... Et là, il me balance que... Ben, je suis tout seul. Ah bon? Ouais. Je suis seul, c'est vrai, j'étais marié, mais ça n'a pas marché malheureusement. Donc, du coup, je me retrouve tout seul. Ça fait combien de temps maintenant? Ça fait quoi? 3 mois. C'est des choses qui arrivent, hein? Même pas de petite copine, parce que je vois pourquoi je demande, c'est bien rangé. Pour un homme qui n'est pas marié, c'est bizarre, en fait. Non, tu sais, j'ai vécu une situation assez difficile quand même, hein, avec... Ce divorce-là, ça m'a laissé beaucoup de séquelles, donc j'arrive pas à me remettre avec quelqu'un. Il me fait comprendre que bon, ça fait 3 mois qu'il s'est séparé de sa bien-aimée. Donc depuis lors, il n'arrive plus à se mettre en relation. Voilà. Qu'il a même un problème. Tu sais, cette histoire de mariage, elle m'a tellement fatigué. Voilà. J'ai eu beaucoup de séquelles, hein, du coup même physique aussi, tout ça. Donc j'ai eu à rencontrer des médecins et tout. Il m'a dit certainement que c'est dû au choc du mariage, tu vois. Donc, j'ai eu une faiblesse sexuelle. Mais ça me dit, il a un problème vu qu'il n'arrive pas à... Sida. Non, Sida, il n'arrive pas. Donc, le médecin me dit que ça a dû être le choc de sa séparation. Voilà. Donc, pour que ça se relève encore, pour que ça redémarre. Quoi? Donc, il y a une solution à tout, il y a une solution à cela. Il m'a dit, si jamais je retrouve quelqu'un que j'aime sincèrement, avec qui je vais trouver l'amour vrai, quoi, pour essayer de me sortir de cette situation-là. Sa femme est retournée. C'est pas où. C'était fatal, je sais pas. Que ça soit vraiment fort. Ça, c'est vrai. Voilà. Donc, on a papoté un peu. J'espère que je serai l'élu. C'est mon souhait. Je veux voir le problème qu'elle est, puis tu es devenue comme ça. C'est ça, j'attends. Le vrai problème est que
après les invitations, tout allait bien. Bon, je me suis dit, j'ai croisé l'homme de ma vie. Voilà. Tout allait bien, ma soeur. Tout allait bien, les restaurants, les sorties. Non, c'est le problème que moi j'attends. Ma soeur. Pourquoi? Il est mort. S'il est mort, même c'est bon. Quelques temps après, je me retourne dans l'appartement où il m'a envoyé. Vous, c'est qui? Bonjour, madame. Bonjour. Excusez, je demande après Richard. Qui est Richard? On peut pas rentrer. Je vais rentrer où? Hein? Je suis en train de fermer ma porte. Il habite ici. Ici, c'est une chambre journalière. C'est une chambre quoi? Journalière. Sage. Jésus. Non, il n'est pas été déposé à l'hôtel. Non. Je cherche un monsieur. Il est grand de taille, noir, un peu costaud, bien. Ici, là, il y a beaucoup d'hommes qui passent ici. Ha! Ma chérie, ma chérie. Oh, tu n'as pas une bâche ici. C'est pas funéraire. Hein? Est-ce que je pouvais savoir? Toi aussi, tu crois que ton enfant de l'amour, il ne sait pas si. Il ne m'a pas trouvé trop utile de lui demander. Tu t'es aveuglé par l'amour, tu ma soeur. Tu le connais où? Va parler ton problème de mettre trop sérieux. Il me dit que c'est la chambre de passage qu'elle a louée à un monsieur pour 2 semaines. Tu n'es pas bêtise. C'est mon problème. Et là même, c'est rien à côté de tout ça, ma soeur. On est fou là, les feux. C'est quoi le problème? Fais chaud. Je suis enceinte. Tu dis quoi? Est-ce que tu es morte? Non. Elle est pas où tu l'as rencontrée là. Faut repartir là-bas. Tu te plaques encore. Tu nous as. Laissez-moi, madame. Moi, je vais fermer ma porte, s'il vous plaît. Allez-y. Tu es, madame. Tu n'es pas encore morte. Tiens. Vas-y, demain, tu portes le même jean. Et tu te remets sur la route là-bas. Il va te voir, il va te prendre. Madame. Ici. On vous a dit, vous avez, quand vous êtes en train de venir, vous avez eu bâche. Ici, c'est pas funéraire, ma chérie. Je vais pas tuer, madame. Je vais pas t'en prendre. Ça va aller. Ton problème là, ma soeur. On va le trouver où alors? Qu'est-ce qui prouve que le numéro me va passer? C'est bon numéro. C'est du sens, ça appelait. C'est la maison que tu partais dedans. C'est pas là-bas, vous êtes quitté. Quand tu es patron, t'as dit quoi? Tu es dessus. Non, appelle-le, non. Appelle-le, il va partir, toi. Regarde dans quoi tu t'es mise. Tu aimes tellement tout ce qui brille. Quand tu as vu le beau gosse, tu as sauté. Aussi, le problème de beau gosse là qu'elle a. T'es qu'à descréder. Donc, ce qu'on va faire là, tu vas demander pardon à la vieille, tu vas rester là-bas. Ah, tu vas faire comment? Tu vas lutter à tes petits frères là. Tu vas supporter jusqu'à ce que tu accouches. Si tu ne veux pas accoucher aussi. Je sais tout est dans ta main. Voici mes mains. On va se débrouiller un peu. On va t'aider. Sinon, moi, en tout cas, faut pas compter sur moi. Si elle n'était pas aidée aussi, faut pas dire que tu connais ma situation. Donc, si tu es parti tes mains dans le beurre, faut faire fondre ton nom. T'as vu le problème, tu es dedans. Tiens, on va se débrouiller. Donc, il y a un de mes vieux pères, il va lui demander. On va faire un peu. Voir si quelqu'un connaît le numéro. Essaye de le tracer sur le numéro passe. On peut le localiser. On va voir s'il existe. Si tu n'as pas sorti, il y a quelqu'un qui est au cimetière aussi là. Tu as vu. Tu te rappelles de la personne, le monsieur qui a pris fantôme la dernière fois là. La femme là brillait la nuit comme ça là. T'es mes aimes femmes aussi là. Toi aussi tu es un garçon. Vous êtes croisés. Vous voyez ça, le monsieur est devenu fou. Il s'est réveillé au cimetière. C'est ton problème. Tu as eu la chance que tu ne t'es pas réveillé même dans la tombe. Tu as vu le problème qu'elle a là. Mon chat, faut te coucher. Moi, il vient. Quand il vient, tu as parti. On s'est dit en même temps.